Salut tout le monde, je viens avec une nouvelle vidéo pour nous. Côté, je viens parler sur la question de résider, travailler au Brésil, avantages et inconvénients à documents nécessaires. Lorsque vous rentrez au Brésil, sous quelle que soit la forme où vous rentrez, soit par moyen d'un visa, ou du moins, vous passez par un pays qui a une frontière avec le Brésil, l'essentiel, depuis que vous vivez au Brésil, il n'y a pas tout document qui est nécessaire pour fonctionner correctement. Il n'y a pas besoin de tenir compte de qui côté vous êtes passé ou même pas qui moyen pour entrer au Brésil. C'est dans l'optique que le Brésil déclare être un pays sans frontières. Elle dit porte oui pour tout le monde. Premier document qui est nécessaire, qui n'a aucun besoin, c'est le CPF, il est présenté comme ça. CPF qui se cadastre au personnel physique. C'est le premier document qui est nécessaire pour un monde qui entrer au Brésil. Document ça, même si vous qui fait le Brésil, quel que soit le terrain étranger qui vient faire le Brésil, quel que soit le terrain brésilien, depuis la naissance, il y a tout le document ça. Deuxième document qui est nécessaire, pour avoir besoin, qui c'est le carnet de travail. Nous même nous avons le carnet de travail dans le panneau. Ok? Qui c'est le carteira de travail. Le nous traduit en portugais. Pour qui ça document ça? Document ça qui est le cas de travail là, c'est un document l'État met disponible pour tout le monde qui a l'âge pour travailler. Si toutefois un patron veut employer ou, il gagne pour prendre document ça dans main ou, pour lui signer document ça correctement. Alors ça c'est signature patron. Oui? Qui ça patron doit signer en deux documents ça? En deux documents ça patron doit signer pour le dire. Mais qui travaille à faire dans l'entreprise là, mais qui quantité heures de travail va fournir pendant un mois, mais qui quantité cobre la PO pendant un mois. Et l'autre bagaille, en plus, patron vient pour le bar un contrat de chèque chaque mois de PO, contrat de chèque ça qui pour gagner quantité heures de travail fourni pendant un mois, comparativement avec ça te dit en dans cadre de travail là. Alors, si toutefois, ou ta travail, même une minute en plus de salle de dia pour le payer comme supplémentaire. Et si toutefois, ou même tout, ou ta raté une minute dans la quantité de l'heure où tu dois fournir pour le discount ou pour le. Ok? Alors, c'est un pareil qui est bien balancé. Pas de question de patron en l'air, employé en bas ou bien. Employé en l'air, patron en bas. Vous mettez au côte à côte sur une balance qui est bien équilibrée. Ok? Troisième document qui est nécessaire, c'est résidence. Ok? C'est résidence. Ça, c'est ancienne forme, non? Mais il y a une nouvelle forme qui est plus classique que ça. Et tant que monde qui fait vivre Brésil, après, il y a un autre type de résidence. Non, mais il y a un type plus classique que ça. Ça, c'est ancienne, non? Ok? En tournant sur la question de travail au Brésil, encore. Avantage et inconvénient. Avantage. Leur travail au Brésil de façon formelle. De façon formelle, je le dis, canet signé. L'État exige pour retirer des pieds en l'air sous salaire brut 8% pour envoyer dans le fonds de garantie. Fonds de garantie, c'est un cob l'État a dit semblé pour. Chaque mois, il retire 8%. Non, ça les brûle, l'État semble comme ça pour. Qui leur va le recevoir comme ça? Ou pour le recevoir comme ça, automatiquement ou révoquer le travail là. Automatiquement ou révoquer le travail là, patron en signe qui dit vous allez le travail là pour quelle que soit la raison, pour quelle que soit la raison, hein, m'a bien avec l'autre raison qui contraire, non, inconvénient. C'est ça que je parle de avantage et inconvénient. Souligner ça, m'a bien avec raison contraire. Les patrons viennent vous aller puis dire bah où tout document qui est nécessaire et puis vous seulement présenter la banque. Banque ça dirait les cacha. Ou seulement présenter la banque avec document ça et puis il y a décaissé tout comme l'État qui est en semblé pour vous pendant le nombre de temps où tu fais votre travail. Quel que soit, vous pouvez pas passer expérience. Même si tu fais un mois, même si tu fais deux mois, même si vous pouvez pas passer expérience, mais vous avez un peu de calé dans le fonds de garantie. Comme ça, automatiquement, vous allez aller la libérer. Deuxième avantage, vous gagnez, c'est en question de assurance chômage. Vous avez le Ségur.
ici dans le Brésil. Assurance chômage, non, c'est un COB. L'État assiste pendant environ 4 mois. Minimum 5 mois, maximum l'heure où perdu travail. C'est-à-dire l'heure où évoqué dans le travail. Mais, faut pour pipiti ou getan passé un an dans le travail ça. Toujours travail canessien. C'est-à-dire, je parle de formel, gain informel tout, dans la vie avec. Là, on fait passer un an quand on essaye dans le travail, on veut aller. L'État assiste pendant 4 mois pour plus petit ou 5 mois pour plus plus. L'aide de vous, payer bilou, continuer à payer loyer, continuer à prendre soin de tout. Pour jusqu'à ce que, bon, pour ne pas dire jusqu'à ce que, pour pendant 4 ou 5 mois pour dégager, pour chercher un autre travail. Ok? Comme ça, qui quantité comme l'État bas? Quantité comme là, je ne sais pas exactement, mais qui quantité comme lui? Même quand on a un aperçu. Par exemple, quand on travaille avec un pour 1500 reais, ça qui arrive dans ces goûts de l'état balia, il y a environ 1200, 1300, 1400 reais à la rigueur. L'état balia chaque mois pendant 4 ou 5 mois. L'autre avantage que vous encore, c'est que les patrons vont aller, la paye révocation correctement. En plus de révocation, si vous pouvez prendre congé, vous avez le férias. Si vous pouvez prendre congé, vous avez pour le payer au congé à tout en deux propres vocations, c'est-à-dire additionnel. Ok? Alors, là où vous faites passer un an pour pipiter dans le travail au Brésil, là où vous allez sortir avec toi comme ça. Qui c'est comme vocation, comme fonds de garantie, qui c'est FGTS, et puis Ségur, qui c'est assurance chômage là. Quand on a un emploi informel, pour un monde qui travaille informel, c'est-à-dire, pour qu'il doit aller dans l'entreprise, il n'y a pas signé un canet, mais il n'y a pas accès à un travail chaque jour, pour du moins chaque jour, il y a un vélo, il y a un contact avec un vélo. Mais là, ça, il y a une entreprise qui choisit de payer chaque semaine, il y a un pays chaque jour, il y a un pays chaque mois. Mais là, ça, il n'y a pas comme ça, il n'y a aucun côté pour vous, il n'y a pas ni FGTS, ou pas ni Ségolo, ou pas ni gain comme révocation. C'est seulement ça ou faire, c'est l'eau. Ou travail aujourd'hui, yo paye. Ou travail demain, yo paye. Ou du moins chaque 15 jours, ou du moins chaque 8 jours, ou du moins chaque mois. Alors ça, c'est avantage et inconvénient. Inconvénient qui gagne dans le canessien, je dis ma bien avec, c'est l'heure où on travaille canessien, ça arrive au bout de un an, mais façon que vous allez dans le travail là, ou pour aller perdre du droit ou à tout avantage ça vous dit là. Qui façon? Si vous gourmet dans le travail là, vous voulez aller, vous perdez tout. Si vous quittez le travail là, vous avez dit, vous demandez démission. Gagnez ou perdu, gagnez ou gagnez plus de difficultés pour joindre. Par exemple, si c'est vous demandez démission dans le travail, question de FGTS là, li bloqué pour 3 ans. Si c'est au mondial. C'est gouloua, assurer chômage là tout, ou getan pa gen droit avec encore. Ça va besoin parler de li, depuis c'est au mandé démission dans travail. Après ça, comme révocation, hein? Si au mandé démission, ou bay préavis 30 jours, yo gen yon façon de calculer, et la di, comme révocation. Mais si ou allé, bref tout, ou a perdu en pile avantage. Ok? Allez, bref, là, ça veut dire ou qu'il doit être dans le travail là, ou dit que vous voulez démissionner ou pas prêter encore. Et puis automatiquement, tout, vous avez une démission ou sien et puis vous allez la carrière. Le ça, vous avez seulement bon rendez-vous pour vous. Il y a toujours bon rendez-vous pour vous calculer compte pour vous, mais ça qui arrive, ouais, petit corps ou social, pas même vous, moi travaille. Si tout ce qui est en congé, et puis vous tellement pas venu presque pas en rien, en rien pour vous par rapport avec la forme que vous quittez le travail. Ok? Alors ça, c'est inconvénient. J'espère que la vidéo ça, elle va servir nous. Ou même tout, parce qu'il y a bien plus de questions, quittez un commentaire ou mettez posez des questions correctement et puis nous-mêmes, nous répondons à mesure qu'il est capable. Merci, à la prochaine.